Atani Monsanto. Nous les verrons face à face ces jours-là. Nous serons semblables à lui. Oh Maranatha, Jésus régène. Yesu yaka yaka tobe ndeko pema. Tebosa na makambo ya bato. Tebosa na makambo ya bagandre scolaire. Merci beaucoup. Quelle puissance. Merci. Je viens ici papa Erika Poussali. A présenter Bisso Motei. Donc on va s'y comprendre à l'Uloba. Mais quand il monte, ce n'est plus la
Et ce soir, nous accueillons maintenant l'homme de Dieu. Saint-Esprit, nous voulons t'accueillir, nous voulons te louer en acclamant tous. Maintenant, nous allons dire Amen et puis Alléluia plus fort. Je n'ai pas entendu pour la gloire du Saint-Esprit. Alléluia très fort. Alléluia. Fort les acclamations pour la gloire de son nom. Qu'il soit béni. Nous sommes dans le livre de Psaumes, Psaume chapitre 89, le verset 20 et le verset 21. Psaume 89, verset 20 et verset 21. Nous lisons le livre des Psaumes. Au chapitre 89, à partir du verset 20 au verset 21. Nous lisons au nom de Jésus. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Amen. Amen. Nous saluons ta présence, Seigneur. Tu es là et nous voulons t'honorer. Ta parole est la vérité. Elle nous conduit au fleuve de la vie, de la joie, de la paix, de l'abondance. Merci pour ton peuple qui est réuni venant des horizons divers pour un seul but, recevoir ta parole, expérimenter ton amour et proclamer ainsi ta joie. Accompagne-nous pendant ce moment et daigne bénir chacun dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et vous asseoir, soyez bénis. Je vais prier et demander, parce que je ne veux pas être long, à quiconque sent qu'il veut partir, de patienter un moment.
et d'écouter ce que le Seigneur a préparé aujourd'hui. Il est vrai que l'ennemi a tenté de pouvoir pervertir les voies du Seigneur. Mais nous ne faisons pas cas de cela. Prêcher sur un podium ou sur une terre plate, ça n'a aucune différence. L'essentiel, c'est de prêcher Christ. Je remercie le Seigneur, je remercie le Saint-Esprit qui a rendu possible cette célébration et qui a déjà impacté et qui va encore impacter ce soir son peuple. Que son nom soit béni. Je voudrais remercier tous les hommes de Dieu. Mais avant de présenter ou de dire un mot sur eux, il y a un pasteur qui a été oublié, je pense, le protocole n'a pas communiqué son nom. Il vient de loin, de Massina, quartier 3. Et il est de l'église Centre Évangélique Le Torrent. Yazaline Église Centre Évangélique Torrent. Il est jeune, je vais prier au pasteur Victor. Azali Lingé na kosinga na ya telema. Le recevoir. Peto ko yamba na milolo te betima boko na Seigneur soit yankolo kopo yankole pambolama. Mes sincères remerciements yanga matondo yokuta na motema penza. Pour le pasteur Jean de Dieu, pour mon cher Fundi David, de tout ce qu'ils ont donné au peuple de Dieu. Je suis très reconnaissant. Et vous tous les hommes de Dieu, vous avez accepté mon invitation. Il y a mon parrain qui est là, je le salue. Et vous tous, je vous salue au nom du Seigneur. J'ai vu pasteur Daniel. Pasteur soyez Daniel. Béni, soyez béni tous. Que mon Dieu vous bénisse. Acclamons pour les serviteurs. Je remercie toute l'équipe de la Nouvelle du Salut pour ce travail élogieux, glorieux. Je suis très fier de vous. Je répète, je suis très fier de vous. À partir du cordon qui a travaillé nuit et jour, et tous les frères, tous les serviteurs, je suis fier de vous. Même la présentation qui est faite ce soir, j'en suis aussi fier. Acclamons pour Nouvelle du Salut. Que le Seigneur soit loué. Je ne peux pas oublier ma famille, mon épouse qui me soutient toujours. Nous avons co-animé la conférence de mardi. Et à la fin, bon, les frères me disent, maman prêche plus que vous. Maman, je dis ça, c'est l'esprit de Songi Songi. Soyez bénis.
tous mes frères, mes soeurs, que Dieu vous bénisse. Vous me soutenez dans cette œuvre. Passons maintenant à la parole. Je vais beaucoup m'intéresser au verset 21 de ce livre de Psaume 89. Parce que je vais parler brièvement. Vous voyez vous-même que j'en suis obligé sur le thème ou sous-thème la troisième dimension de l'onction du Saint-Esprit. Je répète, la troisième dimension de l'onction du Saint-Esprit. Le Seigneur dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. C'est qu'il a mis le temps de le chercher. Il l'a cherché, il l'a trouvé. Votre présence en Christ et en ces lieux ce soir, c'est le Seigneur qui vous a cherché et qui vous a trouvé. Soyez rassurés. Quand il vous trouve, c'est qu'il vous fait confiance. Psaume 65 le dit. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Je vous vois et ce soir, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que vous êtes des personnes heureuses parce que le Seigneur vous a trouvé et vous a approché dans sa présence. Mais la parole dit, je l'ai loin de mon huile fraîche, c'est-à-dire la conséquence de l'œuvre, de l'activité divine. Quand il a trouvé David, il l'a oint. Quand nous organisons la célébration Pentecôte, le but et l'objectif, que le peuple de Dieu et nous-mêmes puissions que notre existence est le mieux à obtenir, c'est le don du Saint-Esprit. Quand Dieu trouve David, il ne lui donne pas, il ne dit pas, je lui ai donné des immeubles. Pas de grands voyages. Qu'est-ce qu'il fait? Il loint David. Et le lecteur va nous lire trois livres très brefs. C'est là que nous allons comprendre la troisième dimension de l'onction du Saint-Esprit. Nous sommes dans 1 Samuel, au chapitre 16, rapidement, frère. 1 Samuel 16, le verset 10 au verset 13. Et après, nous allons lire 2 Samuel 2, 4. 1 Samuel chapitre 16. Commençons par le verset 10.
Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Isaïe a leki sakabana ne samboli boso Samuel. Isaïe lui dit à Isaïe. Samuel dit si Isaïe. L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Yawa poni mon côté na kati na bango. Puis Samuel dit à Isaïe. Sima Samuel dit si Isaïe. Sont ceux-là tous tes fils? Oni eza wana bana no nyonso. Il répondit, Yayanoli, il reste encore le plus jeune, etikali ya suka, mais il fait paître le brebis. Ikasi ya zole sa bibwele. Alors Samuel dit à Isaïe, Samuel a dit à Isaïe, envoie-le chercher, tinda bakende kolukae, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Pwete biso to kosala tio yeto yaki kosala ya mwete ya yao. Isaïe l'envoya chercher. Isaïe tina kabalukae. Or il était blonde. Nzokande azalaki kitoko. Avec de beaux yeux. Misupe kitoko. Et une belle figure. Pe longipe kitoko. L'Éternel dit à Samuel. Yahweh alobi na Samuel. Lève-toi. Telema. Oins-le. Pakolae. Car c'est lui. Pambateza ye. Samuel prit la corne d'huile. Samuel a vu l'issue à ma foute. Éloigné au milieu de ses frères. A Pakola qui est ami sur bande konaye. L'esprit de l'Éternel saisit David. Moli monaya we simba ki David. À partir de ce jour. Kobana mokolwana. Et dans la suite. Pe na mikolonyon swe landaka. Samuel s'éleva. Samuel a télémanka. Et s'en alla à Rama. Pe akendaka na Rama. Nous disons amen. Amen. 2 Samuel 2, rapidement 4. Et 2 Samuel 5, 3. 2 Samuel chapitre 2, le verset 4. Les hommes de Juda virent et là ils oignirent David pour roi. Bato ya moka bayuda bayaka pe sika wana bapakolaka Dawidi mafuta lokola mokonzi. Roi sur la maison de Juda. Mokonzi likola ndako bayuda. On informa David que c'était le Jean de Jabé. Bayebisaka Dawidi ete ezalaki bato ya Jabé. En Galade qui avait enterré Saül. Na Galade oyo bakundaka Saül. Amen. Nous finissons avec 2 Samuel 5. Nous lisons comme ça pour aller vite et terminer. 2 Samuel 5, 3. 2 Samuel chapitre 5, le verset 3. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux. À Hébron. Devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. Amen. Que le peuple de Dieu dise amen. Amen. Encore amen plus fort, bien-aimé. Amen. Encore amen, que le ciel nous entende. Amen. David est oint trois fois. David va pas collier ma foute à Malamisat. La première fois qui représente la première dimension de l'onction. Malaliboso et Zotali, c'est Pimelo et Liboso et pas quoi. Je vais ici rencontrer Awana Kokutana, les éminents prédicateurs Nambate Yamakasi de cette semaine. Obate Yakibisopoksoyo. Samuel ouin David. Samuel a pakoli Dawidi Mafuta. Et selon qu'il est écrit dans Exode 30. Qu'on nous a enseigné. Jeudi. L'huile d'onction. Et pas quoi? Ma foute et mon parcours l'ami. Devait être appliqué sur. Les ustensiles du tabernacle. Na biloko ezalakarakati ya mongombo. Ainsi que sur le personnel œuvrant dans le tabernacle.
na epaya bao bato bazali kosala na kati ya mongombo. Pourquoi Dieu voulait qu'on noigne le tabernacle et tous les ustensiles ainsi que le personnel œuvrant dans le tabernacle? Pona nini nzamba linga ki batia mafuta na biloko yo ezalaka na kati ya mongombo pe ba ebazali kosala na kati ya mongombo? C'était pour deux choses. Ezalaki pona biloko mibale. La première, yali boso l'appropriation de ce bien là o ezali bozala ya biloko wana et de ces hommes là pe na kina bato wana. Parce que peut-être il y en avait qui n'étaient pas là la semaine. Ils ont quitté la mosquée. Les hommes dont je parle, il s'agit des sacrificateurs. Ils ont attiré la tombe des Lévites. Qui devaient être loin. Oh, parce qu'on peut couler ma foute. Allez sur notre espace. Kené na étant un abyssoir YouTube. Vous allez suivre ces grands enseignants. Iyo okolanda maté ya minene kitoko. L'huile d'onction. Ma foute à vos pacos, l'ami. Rendez Dieu propriétaire. Et bandaki, kosala et nzambe à zala ya bango. Des biens ouin et des personnes ouin. Bilo kwanana patoba zala ya nzambe et moko. Ce que nous appelons Odomingi. La mise à part. Kotia na pene. David était parmi ses frères. Il était le huitième, le fils d'Isaïe. Quand le prophète Samuel fait le tour d'horizon, cherchant l'homme à oindre, il ne trouve pas parmi les sept aînés. Voilà pourquoi il dit à Isaïe, na Isaïe, est-ce là seulement tes fils? Boni bana nyo so bangwana. Je ne trouve aucun. Na kuti mon côté. Il dit je ne trouve aucun. Ari na mon ata mon côté. Ça c'est le Seigneur qui dit. Wana kolonda zoro. Je ne trouve aucun. Na zo mon ata mon côté. Mais quand David vient, kasi tamu David aye. Le Seigneur dit à Samuel, Kola le bina Samuel, lève-toi, Kelema, ouais-le, Pakola e. Parce qu'il était mis à part. Et le deuxième objectif, petit ami balé, de l'onction, y'a et pas quoi, c'est de sanctifier. Ezako pulisa. On nous a dit ça, je répète. Alors, la kibison a son sang et la kaka. Ainsi le Seigneur, pendant colo, envoyant quelqu'un, n'a pas colo comme tu m'as foutu. Il veut que cette personne, aligné de mon doigt, lui appartient. À comment aille? Dieu voit qu'il y a un signe. Dans ma zone de l'embobo quoi est allé? D'appropriation. Oh, ils ont accepté mon doigt. La personne, mais mon doigt, c'est lui donc. Et zané l'angela m'a foutu à mon pas colo ami. Mais nous, aujourd'hui, que représente l'huile versée par Samuel, ma foutu ma sopa qui est passé sur Nicolas David. J'ai trouvé David. Il a moni David ce soir. Pourquoi les longs? Je me t'ai dit. Il dit ceci. Alors, j'ai trouvé mon fils. Moni moi la j'ai trouvé ma fille. Moi la moi si. Et cette huile. Nous l'avons eu, nous aussi. Dans au jour de notre salut. Mon c'est pourquoi cette onction-là, on l'appelle. Parce que Jean de Dieu l'a dit. Parce que Jean de Dieu l'a dit. L'onction du salut. Et par quoi il y a le pico? Ephésiens 1, 13, dit. Ephésiens et le Bible. Vous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez été scellé du sceau du Saint-Esprit pour les jours de la rédemption. Après avoir
yoka la parole de vérité liloba solo après avoir entendu Simakoyoka l'évangile de votre salut sango malamo lo piko dans lequel vous avez cru nan katira wapi bonimaki vous avez été scellé bino matabina le mot de ce so lewe salinda ngawana. Et là où vous êtes, merci comme vous allez. C'est lui qui est en Christ. Oh, Zakatina Christo. Je rappelle Romains 8, 9. Nazo kundo la mokanda ba Roma. C'est lui qui n'a pas l'esprit du Seigneur. Oh, Zana Molimo Koloté. Il ne lui appartient pas. Azape Ayete. Cette onction et pas quoi wana qui était sur David. Oh, Zana Kilikola David. Nous l'avons. Tozana Yango. Selon qu'il est écrit, Benjamin 2:20, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous appartenez à qui? À Jésus. Vous appartenez à Dieu. Vous devenez une propriété privée du Seigneur. Un jour, j'ai parlé avec un de mes frères. On échangeait. Comment il y a des gens qui sont soi-disant serviteurs. Mais ils font toute espèce d'iniquité. Apparemment, on dirait qu'ils vont de l'avant. Je pense qu'il va se souvenir. Nous avons trouvé une conclusion que Dieu ne les connaît pas. Et j'ai une bonne nouvelle ce soir. En vous disant, vous êtes mis à part. Et vous êtes une propriété privée du Seigneur. Est-ce que vous savez cela? Acceptez-vous cela? Si vous acceptez, dites, je suis, je le suis. Répétons encore plus fort, je le suis, je le suis. Vous n'appartenez pas à quiconque. Vous appartenez à celui qui vous a appelé. Voilà pourquoi même le monde ne peut pas s'amuser de vous. Parce que Dieu vous appelle. As-tu vu mon fils? As-tu vu ma fille? Dieu a dit, as-tu vu mon peuple? Vous êtes le peuple de Dieu. La parole dit, heureuse la nation. Ton éternel est Dieu. J'ai trouvé David, mon serviteur. J'ai le ouais. Une huile fraîche. C'est pourquoi nous sommes comblés. Et nous sommes bénis. Quand vous lisez Jean 3, Nicodème est en discussion avec les seigneurs. Au verset 5, le Seigneur dit à Nicodème, Kolo alobina Nicodème, si un homme est né d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Cette première onction, c'est elle qui vous donne la naissance d'esprit. Vous naissez en esprit. Je vais demander à ceux qui vont aller lire.
Si vous lisez Luc 1:80, l'enfant Jean-Baptiste, l'enfant qui était né, croissait et se fortifiait en esprit. Pourquoi? Il est né d'esprit. Il y a potami na molimo. Et dans Luc 2:52, il est dit. Pena mokana luke lobami. Là c'est l'enfant Jésus. Waneza mwana Yesu. L'enfant croissait. Mwana baneko kola. En statue. Na nzoto. Et en sagesse. Na bwanya. Devant Dieu. Libosa na nzoto. Et devant les hommes. Pe libosa bato. Pourquoi? Ils sont nés. Oh, laissez-moi me réjouir. À tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Notre Père, c'est Jésus. Esaïe. Parce que nous ne sommes pas ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, ni non plus de celle des hommes, mais de celle de Dieu. Ce soir, l'Esprit, le Saint-Esprit, touche son ton esprit, et ton esprit va être régénéré. Car tu es un enfant de Dieu. J'ai trouvé David. Nakuti David. Qui a reçu la première onction. La deuxième onction. Et pourquoi il David reçoit l'onction des anciens de Juda. David a su pourquoi. Il ouanir David, papa kolaka David ma foute et l'établir roi. Peba fani sa tienne kitia pour konzi na mboka ba Yuda. Regardez, celui qui a reçu la première onction, tala o soke pa kwali boso, va recevoir la puissance, a kozwa la capacité, o likoti. Comme on nous l'a enseigné. Lo kola ba yekoli sa kibiso. De fonctionner, yakosala. De travailler, yakosala mosala. D'agir, yakomi monisa. Cette onction correspond et pourquoi est balani au baptême du Saint-Esprit. Na baptisimo yamolimo mosala. Acte 1, 8. Vous ne vous éloignez pas de Jérusalem. Bino bozala mosika Jérusalem te. Ne partez pas en courant. Okenete na kokima kamba. Restez là-bas. Botika la wana. Vous recevrez une puissance. Bokoyamba nguya le Saint-Esprit. Molimo mosantu kokita kalikona bino. Et vous serez maintenant. Pe bokozala banzene neke na ngai. Le baptême du Saint-Esprit, baptisimo ya molimo mosantu, c'est l'institut ezali ko fandisa moto na qu'un homme reçoit, oh moto zozwa, de Dieu, ko te pona nsa, afin de fonctionner, na tiaji ko sala komi monisa, la capacité d'action, likoki ya mosala, qui fait que l'enfant qui est né, oh esale te mwana botami, va grandir, a kokola. 1 Corinthiens 3 le dit. Mokanaba Corinthiens li bosse le bien mot. Paul a planté. Polo a l'onaki. Apollos a planté. Apollos a soperima. C'est Dieu dans ses ensembles qui fait croître. Ne a son colissa. Ainsi le baptême du Saint-Esprit. Pour mon baptisme, mon livre, mon sang. C'est l'onction du ministère. Et ça est pas quoi l'automne. Sans laquelle nous arriverons à vivre
c'est que les fils de Skeva, ont vécu Babikaka. Dans acte 13, Nami Salaba Thomas, le démoniaque dit, devant le fils de Skeva, qui voulait chasser le démon dans cet homme. Et il dit, je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, Kasipino, qui êtes-vous? Beaucoup de ministères fonctionnent sans l'onction du ministère. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de fracas. Beaucoup de commandeurs. Tous les fils, les filles, il y a pas que ce mandat, il y a le Je ne demande jamais de l'argent auprès de quiconque. Ils sont là, tous. Je le dis publiquement. Jamais je demande de l'argent. Jamais je ne fabrique des prophéties tendant à amadouer les gens. Jamais je cherche la clémence des hommes pour que quelqu'un me voie. Bon, je suis miséreux. Que la personne est tienne. C'est lui qui m'a établi dans cette fonction. Il sait prendre soin. Selon les niveaux et les niveaux, que lui-même veut, quand je me retrouve, pourquoi? Parce que je sais, l'onction a des droits qu'elle crée. Oui, Kélaka. Nombre 18. Mokanda Yakuzon Kiramide. J'ai vu David, mon serviteur, le baptême du Saint-Esprit va vous aider, va nous aider, afin d'opérer à la hauteur des grâces que Dieu on jamais appelé sa vie. Vous êtes un homme d'affaires, étudiant, politique, femme bureaucrate. Moi, c'est que ça, la bio. Ce baptême et cette onction, baptisme, pourquoi crée, ils ont fait bon d'abord, Seigneur. Regardez. Dans Psaume 45, on dit quelque chose que j'aime. À partir du verset 6 jusqu'à 8. Contrôle, ô éternel. Il est éternel. Ton strept est un strept d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï la méchanceté. C'est pourquoi, ton Dieu t'a une huile de joie. Ce qui suit mes bouches, ton Dieu t'a une huile de joie par privilège. Sur tes collègues. Vous avez des collègues,
Mais tu vas voir qu'assieds qu'on soit l'huile et pas quoi qui amène la différence. Oui, est-ce que vous me suivez? Amen. Si vous me suivez, qu'on dise amen plus fort. Amen. Vous serez comme tout le monde. Oh, cosa loca batonios. Quand vous n'avez pas cette onction, tamosa n'est pas quoi on a tel. Et vous allez voir. Père Komona. L'enfant qui est né, mon apotami, grandissait, Aneko Kola, et se fortifiait en esprit. Père Kosoma Kassina Molimo, le baptême du Saint-Esprit, baptissimo Molimo mon sang, fait que nous qui avons reçu, et ça s'allait depuis son la première onction, et pourquoi dit mon sang, qu'on ne demeure pas, d'autique à la terre, à l'état d'enfant, n'a qu'on s'allait qu'à Pana. On n'aura pas les jugements d'enfants. Pissons-toi qu'au service, ça vise le discernement d'enfants. Mais chaque jour, nous croissons. Pissons-toi au colon. Nous passons d'expérience à une autre expérience. Galates 4:1. Mokanaba Galatia. Si l'héritier, ce qui m'osamoli, demeure encore enfant, Azaka Kamwana. Il ne diffère en rien de l'esclave, quoi qu'il soit, propriétaire de tout. Vous qui regardez encore à vos frères en Europe, en Amérique, mais le Seigneur a dit, tout est à vous. Quelqu'un écoute ce que je dis. Tout est à vous. Seulement vous, vous êtes à Christ. Vous êtes Christ. Et Christ, mais Christ, il est à Dieu. Asayan Zambé. Et Baba. Vous entendez la bonne année. Oh, Yaya ne m'a pas. Bonne année, Yaya. Vous voyez les sosos. Yaya Tinda. Parce que vous allez trouver. Point de recrute. Un monsieur avec une longue barbe. Motomane fumilaï. Il a 78 ans. Il est pensable. Il a 68 ans. Mais son homme esprit. Kasi motomolne molimo. C'est un bébé. Et sa bébé colaté. Et sa place. Pesikaraé. Il dort dans le berceau. Yala la kana berceau. Et quand les sorciers s'élèvent. Pétambando qui va télémi. C'est le bébé qui est là. Et ça bébé dans la ligne à berceau. Vous le voyez en bassin. On se montre à la type passé. Mais en réalité, Kasi solo solo. Il est encore en pampers. Azola, ta va pampers, ça va bébé dans mon limo. C'est pourquoi j'aimerais vous dire. De la tine à la Iko Isabino. En Christ. Quand il a Christ. En Christ. Quand il a Christ. Nous sommes au-dessus. Dans un Nicolo. De tous ceux qui nous haïssent. La parole dit dans le cœur. Il a suscité. Il nous a donné. Un puissant sauveur. Qui nous délivre. De la main de tous ceux qui nous haïssent. Tous ceux qui nous haïssent. Notre Dieu nous délivre de. Amen. Mais ce n'est pas les bébés. Et ça, bébé, l'apôtre Paul disait, sautonnez. Vous en êtes encore au lait. Miliki. Vous craignez les poukous. Quand le chat miaule dehors la nuit, vous vous couvrez de la couverture. Parce que vous craignez. C'est parce que votre homme esprit est encore enfant. Mais ce soir, celui qui fait croître. Voilà pourquoi. Tratina. Vous avez l'argent. Oh, ça bon. Vous pétez l'argent. Ils ont pour qui ça bon, quand vous
vous avez une bonne situation sociale, tant ma cambe bongi, la sorcellerie va s'élever. En fin de compte, on va ravir ça. On va te faire danser. Ils vont entonner des cantiques. Tu vas entrer dans la danse. La danse des songi songi. Les bagarres. La danse des je ne sais quoi. Parce que leur objectif, c'est de prendre. Exactement. C'est que tu es. Pourquoi? Parce que tu es un enfant. Mais ce soir, je parle à un David. Fundi, c'est à toi que je m'adresse. Oh, papa Fundi, yonde David yango. Il a dit, Alobachi, j'ai trouvé mon serviteur. N'a kouti mon serviteur. J'ai les ouais. N'a pas collié. D'une fraîche. Ma foute de sika. Un jour, Mokro Moko, un ami vient me voir. Moninga moko yoko monanga. Qui a une personne et des armes moko sur une des avenues derrière ici. Na moko ya ba venue za sima wa. Une jeune fille. Elle est née moi si. Qui est folle. Oya zui poma. Ce témoignage. Il t'a tout lié. Tant parmi tant d'autres connus de l'église. Allons-y, si on peut faire quelque chose. On arrive. On trouve une jeune fille. Une très belle fille. En cachot. Derrière la maison. Et on l'a liée. Quand j'arrive. Je demande. Amenez-la ici. On était sur la véranda. La famille résiste. Non. Elle est trop violente. Pour la maîtriser là, c'est difficile. Moi, j'ai dit amenez-la ici. Non, elle est trop violente. Amenez-la ici. Finalement, ils ont vu que j'insistais. Deux costauds sont allés. La saisie. À gauche et à droite. Et on amène là où on était. J'ai dit, lâchez-la. Oh non! Elle peut même fuir ici, personne ne va la mettre. J'ai dit, lâchez-la. C'est difficile. J'ai dit, lâchez-la. Lâche. Cette fois-là, voilà, voilà. Il n'a pas réagi négativement. Je la regarde. Je dis diable. Christ t'a vu. Christ. Lâche. Cette fille. Moi, ils nous ont vu comme si c'était de la blague. Elle sait quoi. Je suis allé, j'ai imposé les mains, je l'ai relevé. Ngaya fukami na kina tim tandie maboko atelimi. Elle était totalement délivrée. Ya kango la makina mo bimba na ye. J'ai dit qu'elle aille se laver. Elle a dit à qui elle est sokola. Se laver. À sokola. Elle est venue. À zongi. On a commencé à parler avec elle. Tu m'as dit que sola na ye. Elle me dit, demande, pasteur, toi tu viens. A dit, pasteur, yo tu vas. L'église n'est pas là. L'église a aussi été je vais venir demain. C'était mercredi. Isaac mercredi. Elle est venue. Aïe. Quelques mois plus tard. Sima Basanza. Vous voyez la méchanceté du malin. Au moins, qui bokanza zama. Voilà pourquoi l'autre. Quelle tu n'es pas quoi. Luc 4 à 18. Mokanda Baluka. Dieu ne nous donne pas des choses périssables. Dama pesa kabiso biloko ko. Mais ce qui compte. C'est son esprit. C'est comme ça que lui-même David crie. Dans le psaume 51. Il dit, ne me retire pas ton esprit. Elle a commencé à fréquenter l'église. Quelques mois plus tard, un homme vient et l'épouse. Alors écoutez, comment l'ennemi
il est méchant. Azaka nzakuruta. Je devais bénir le mariage ensemble. Et si quelqu'un n'a pas pour la libala ici, ah on a un poso. Le vendredi la nuit, vendredi na butu. J'ai fait une vision. Nazu mon ici moko. Où je me bats avec. Je ne cite pas son nom. Mais en ce temps-là, les plus ou même aujourd'hui, les plus grands musiciens, les plus populaires de notre pays. Il était devant moi, on était séparés de quelques mètres. Quand il lève la mer, il envoie le vent pour que le vent me transporte. Moi j'ai dit, au nom de Jésus, ça n'a pas des forces sur lui. Il lève les mains, il descend, c'est le feu. Pour que le feu m'emporte, toutes tes armes sont mises. Et le feu s'éteint. Finalement, il prend une assiette en plastique. Il y a plastique. Il lance. Et l'assiette commence à tourner vers moi. Je dis, je prends l'épée de l'esprit. Je me vois en main avec une épée. Je tiens et l'épée déchire en deux l'assiette. Je me réveille. J'ai dit, mais ça, c'est quel genre de vision? Avec ces messieurs, on va se rencontrer. Et à quelle occasion? Le Saint-Esprit, quand vous avez l'onction, on nous a enseigné toute la semaine, c'est l'Esprit qui vous révèle. C'est qui va venir. Or, moi, je ne savais pas que le jour du mariage, le même artiste avait un concert à ce terrain. Quand je viens ici à 16h, vous voyez les instruments des sociétés, des boissons là. Et nous, on n'avait qu'un amplificateur. Alors, on était à l'église, avant même que les mariés viennent. Je me dis, tout ce qu'on ne s'entendait pas, tout ce qui s'est passé, c'est la musique de nos voisins. Je me suis dit, mais ici, les gens vont commencer à danser. Et j'avais oublié la vision. J'ai demandé, qui joue là-bas? C'était l'artiste qui est en concert. Et au même instant, on dit aïe, 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 hélicoptère. Et les gens crient moi, j'ai dit na baby. Et l'esprit me rappelle hier soir, qu'est-ce que j'étais? J'ai dit voilà. C'était ça ce que le Seigneur a dit. J'ai pris mon courage devant. J'arrête. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des témoins ici. D'un coup, on a entendu un bruit. Pouf! Groupe bébé. Et le concert a pris fin. Concert est catané. Yes, allô, qui pète ma boîte à bien. J'aime te dire, c'est la ligne comme ça pourquoi les lobes. Si tu demeures enfant, socorro, mon tu célébreras les mariages. Yo, avec les sons de la musique mondaine. Nama, quelle est la musique à ma c'est pourquoi nous, ministres, nous que Dieu a mis à part, aucun homme ne peut mettre un bar à côté à part où il y a l'église et si quelqu'un pour que nous soyons dérangés. Au même instant, ça doit se fermer. Et bisaka. Oh, tant qu'il ne faut discuter pas qu'il s'agasson. Pour quelle raison? La oh, papa, et Rakil, tu tombes ensemble. Non. Parce que Jean de Dieu nous l'a dit ça. Parce que Jean de Dieu, c'est qu'il soit mort. Parlez. Le papa. L'onction qui est sur. Et pourquoi ça dit qu'on a eu? Va créer des choses. Et qu'on quitte la Wakambo. Parlez. Le papa. Le vent et l'eau vont s'éteindre. Mon peuple Koyoka, parlez le pas. Les
les ennemis vont reculer. Bangula bakosonga sima. Rien de ce monde ne peut supplanter l'onction de Dieu. Si vous êtes d'accord avec moi, ce soir, je veux vous dire, aujourd'hui, en écoutant cette parole, c'est lui qui voit les hommes, et il vous voit pour vous établir. Soyez établis maintenant. Soyez établis dans votre ministère. Soyez établis dans votre travail. Le disons au nom de Jésus. Je termine. Non, si, si. Je vous ai dit, je ne vais pas être long. La troisième dimension. Et puis, Milo Yamisato. La troisième dimanche. Et puis, Melo Yamisato. David est loin pour la troisième fois. David a pas colami pour la malamisato. Sur Israël. L'Ikola Israël. Afin qu'il règne. Natine Yakota. Sur Israël. L'Ikola Israël. Sur Judas. L'Ikola Judas. Et par cette onction, Pénantile, pas quoi, non? Tout est réuni. Nyonso, sakani. Vous allez vous poser la question, mais Okumitou, non? Nous connaissons l'onction du sac. Tuyepi et pas quoi y'a le bien. L'onction du ministère. Et pas quoi y'a le tombe. Mais la troisième va venir. Kasi a mis ça. Regardez, David a été loin trois fois. Kasi t'as David pas connu par la mise. Cette onction nous vient, frère, on lit le dernier livre. Et pourquoi on a dit comme Kanasuka? Nous l'avons dans la communion avec le Saint-Esprit. Le frère va préparer 1 Corinthiens 1, 9 et surtout 1 Jean. 1, 3, 6 et 7. Alors, la communion, Koyokani, c'est la porte d'accès. Et ça est à vos côtés de la troisième dimension. Il y a une Bible et l'eau à Missat. Regardez, frère. Le signe du baptême du Saint-Esprit et s'est révélé et dans la parole. Parce que tous ceux qui ont été baptisés en ils ont parlé en d'autres langues. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les gens qui parlent en langue et qui sont dans l'impudicité. Les gens qui parlent en langue, qui sont dans des fornications, dans des avoir des sur les téléphones, avec les mauvaises choses. Ils sont dans le mensonge. C'est pourquoi beaucoup de gens posent cette question. Mais ils parlent. Est-ce que ce sont des véritables langues? Oui, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Mais ils n'ont pas la communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit. Nous l'avons lorsque nous considérons dans notre vie que le Saint-Esprit n'est pas un vent, n'est pas un mouvement, n'est pas quelque chose qui me fait bouger ou trembler. C'est une personne. De la manière que je ne peux pas prendre une femme
en présence de ma femme, c'est de la même manière que je ne peux pas prendre une femme en présence du Saint-Esprit. Là, nous les considérons comme une personne. Ça manque à beaucoup de choses. Pour la plupart, le Saint-Esprit c'est à l'église. Et la parole dit, il sera avec vous. Il sera en vous. Et il sera sur vous. Quelqu'un dit alléluia plus fort. Là au plus loin, à la rue. Alléluia. Voir, mais dites amen plus fort. Colopambolabino. Il est en vous. Asa. Nabino. Avec vous. Nabino. Et sur vous. Pelicolabino. Beaucoup de gens font ce que moi et maman avons vu une fois à la télé. Un monsieur qui est tombé malade, il est devenu aveugle. Un médecin l'a soigné. Et Dieu l'a aidé. Il a commencé à voir. Mais il n'a pas dit à ça. Pendant son temps d'aveuglement, la femme faisait entrer des hommes dans la chambre où il était, lui le monsieur. L'homme va très furtivement. Quand il pose la question, quel mouvement? Non, c'est moi qui bouge. Mais quand les yeux se sont ouverts, le monsieur voyait les hommes entrer. Après, il pose la question. Si ma chérie, peux-tu me tromper dans ta vie? Malgré que monsieur ne voit pas. Vous connaissez les femmes. Oui, on est là. Eh bien. Moi, t'es trompé. Tu sais l'amour que j'ai. Et l'homme regardait. C'est comme ça beaucoup. Et ça mingi pe bongo. Avec le Saint-Esprit, il pense. Non, mon livre, on va se penser. Qu'il ne les voit pas. Et t'as mon accaté. Tous tels que nous sommes. Il y a des gens. Et ça n'a pas tout. Quand ils sont avec. Développons, nous sommes appelés à développer un comportement de bien. Peu injurier. Quelqu'un au rond-point. Les insanités de Kinshasa. Il est avec sa belle-mère dans la voiture. Qui peut faire ça? Il est avec son beau-père. Il arrête le véhicule et il va au pneu du véhicule et il fait pipi. Qui peut le faire? Mais avec celui qui voit, qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous faisons? C'est pourquoi la parole dit, ne triste pas quand il pèse à ma tête le Saint-Esprit. Il mourit mon sang. Chérie, je t'aime. Sur le téléphone, tu effaces. J'ai toujours posé la question. Les aveugles qui ne savent pas contrôler les téléphones de leur femme et de leur mari n'ont-ils pas droit à la fidélité de leur patron?
et comment nous nous comportons. C'est pourquoi notre avancement pose problème. Regardez l'arche. L'arche a trois parties. Les lieux très saints. Les lieux saints. Et le parvis. Ça représente les trois dimensions. Et l'homme. Yamoto. L'esprit. Molimo. La âme. Mosuke. Et le corps. Dieu touche l'esprit. Zamba simba kamolimo. Et l'esprit doit couler. Père, mon Dieu, Seigneur, traverser le lieu saint. Et quand il s'est que ça, c'est-à-dire l'âme. Et c'est comme avec mon souké. Son sang est trois. Mon canaba, mon âme bénit l'éternel. Mon souké n'a pas moi. Le temps d'étonnant. Le lègne à cause de mon souké n'a eu. Prospère à tous égards. Et Seigneur, le pauvre. Prospère l'état d'étonnant. Et de l'hypposso. Touché par l'esprit. Mais rien ne marche. Parce que quand l'esprit veut passer pour aller vers le parvis, il ne trouve pas de passage dans le lieu saint. Parce que l'âme est saturée. Saturée du mensonge. Saturée de l'orgueil. Saturée des choses du monde. Mais la troisième dimension, tu considérais que le Saint-Esprit, c'est une personne. Voilà pourquoi il nous appelle amis. Jésus dit aux disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, mais vous êtes mes amis. Jean de Dieu, mon frère. Mais papa Jean de Dieu. Ami de Dieu. Moninga ya Nzambe. Pourquoi? Pourquoi? Nous savons qu'il est là. To yebiyosa. Cette onction est pourquoi wana? Nous l'avons dosana yango lorsque nous pratiquons tango tozo sala la parole de Dieu. Lilopa na Nzambe. Je vais vite. OK, là on va. C'est pourquoi il dit dans Exode 40, le verset 13, la parole dit, tu viendras au copacola, Aaron, Aaron, et tu viendras au copacola, ses fils, Pananae. Vous comprenez, ce sont deux dimensions. Oh, ce sont les habits, mais seuls les souverains sacrificateurs pouvaient entrer dans les lieux très. C'est qu'il avait une onction particulière, différente de celle des sacrificateurs et des lévites. Et quand on a cette onction, nous sommes ce que lui-même a dit. Psaume 82. J'avais dit que vous êtes des dieux et des beaux abans. C'est comme ça que la mort n'est pas rien. Quelqu'un est là. Vous avez suivi des mots ici. La mort ne peut rien contre moi. Parce que lui-même a dit, j'avais dit, mais ce soir il dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Quel est ce Dieu qui meurt? Quel est ce Dieu empoisonné? Et tombe. J'ai dit, Narobi, vous êtes des dieux. Bozaba Nzambe. C'est la troisième dimension. Et c'est Pimelo Amisato. Quand cette dimension a revêtu Pierre et l'a dit, ça qui pète de l'eau, et tous les autres, les surnaturels, le miracle, était au quotidien. Et ça là qui a mis Colossima Mikolo.
Regardez Acte 17. Dans la ils sont à Thessalonique. Thessalonique. Les gens crient et disent ces gens, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'à nous. Ces gens qui ont bouleversé les familles. Les familles condamnées. Troublées. Les hommes de Dieu qui n'évoluent pas. À cause des condamnations familiales. On a dit ces hommes qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'à nous. Pas la cause qui était là-bas. On dirait que vous n'êtes pas là. Dès demain, dans le bureau, on peut quitter la banque. Ils se sont beaucoup amusés. Parce que cette honte va faire que les jours vont être brisés. Même sans pas. Pourquoi? C'est une onction qui tourmente. Et ça est pas quoi les démons. Bah, démon. Ce soir, pourquoi les lois? Ils sont tourmentés. Bah, dans Marc 1, le témoignage voit Jésus. Démon, lui dit, qui a-t-il dit, entre toi et nous? Jésus. Yes. Es-tu venu nous tourmenter? Boni yo yeko tu savais ça. Ce soir, pourquoi les lois? Les démons de la famille. Les démons de la famille. Que tu entres. Yamokota. Ils sont tourmentés. Et ils doivent sortir. Le Seigneur liba bima bachima. Voici mon serviteur que je soutiendrai. En qui mon âme prend plaisir. Il ne criera pas. Parce que l'onction sans mesure. La troisième dimension. Dans la communion. Avec le Saint-Esprit. Ne donnera en aucune façon. Une défaite. Ce soir, on était parti pour échouer. Pourquoi les lots s'attendent à Bonsa Kinyan? Il a utilisé un homme qui a bloqué le processus. Il a perçu l'argent. Il a refusé. Il a tout fait pour ne pas mener le podium. Et les instruments sont pour le podium. Et on doit installer un peu. Quand il y a cette onction, on échoue. C'est pourquoi, même les visiteurs, si vous regardez derrière, personne ne quitte. Pourquoi? Celui qui a veillé à cet événement, a tout préparé, il a disposé afin que tu revêtisses cette onction supérieure. Et pourquoi on est la troisième dimension? Et puis, Mélanisato. Et baba. C'est pourquoi Taratina. Le coup de téléphone. Oh, ma kine, le kobenga, le kore. Guéri jusqu'aux États-Unis. Ils ont piqué Satan, kuna l'État-Unis. Ça ne demande pas des efforts supplémentaires. Ils ont singaté, ma kapwa, ma kassidonine. Celui qui parle au téléphone peut être allongé sur les lits. Oh, azo, sur la téléphone, tant soit l'aïn à mettre. Une femme était en menace, il fallait la césariser, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Moi, si mon coup, il fallait la salaire, césariser, il va pas soleil. Mais quand il m'appelle, dans la pénible, que l'enfant ne tourne pas les messages, on m'amène à la salle. Je crois que j'étais en train de brosser les dents. Je n'étais pas en train de vibrer. Papa, on veut, mais c'est. Papa, pas qui a dit ça? Oh, le médecin. Oh, mon gars. Mais ton père n'a pas dit ça. Tata n'a rien voté. Au nom de Jésus. Na combo na Jésus. Tu accouches d'ici 20 minutes. Kalamingi tia. Dans
dans 30 minutes. 30 minutes. Elle m'appelle, ça fait plus de 15 minutes que j'ai l'enfant. Moi, on dit que pour ta maca la vie, tu peux ta maca combien? L'onction là. Et pas quoi, voilà. Agis. Et je sala. Mais toi, tu es là. On veut prendre ton mariage. Yo, ça n'a pas eu à porter la libala, non. On veut prendre les études de tes enfants. On veut tuer tes enfants. On veut tuer ton ministère. On veut tuer ton ministère. On veut tuer ta famille. On peut m'en libérer. Tu regardes. Zota. Lève-toi. Télément. La troisième dimension. Et puis, mes amis, ça. Pour toi. Et ça, pour Nayo. La troisième dimension est pour toi. Et puis, mes amis, ça, c'est pour Nayo. Tu vas bouleverser le monde. Yo, kotia mon boulou na motili. Faut pas prier pour les gens. Tu pries. Et après, on dit papa, à Koufi. Oh non, Tokoumi Sansam. Non, non. Tokoumi Sansam. Non, voyons, tout ça la messe. Non, non. Refusez. Vous dites, je n'ai pas le temps de parler de ça. La mort précoce n'a jamais été la volonté de Dieu. Lisez Ecclésiaste 7. 17. Pourquoi veux-tu mourir avant ton temps? Il y a des moments où les gens meurent avant leur temps. J'étais à Massina. Toujours dans l'histoire de il était 19h, pas loin de l'église. 19h, le pasteur. Aussi qu'à l'église. Victor. Le pasteur Victor. On était d'ailleurs avec les autres amis. Mais quand on est rentré déposer un pasteur qui a déjà de l'âge, on veut rentrer. Les Kuluna sont venus. Machette, Pierre, ma vanga, ils viennent pour nous prendre. Pour ma soibisson. J'étais assis à l'arrière, maman à ma gauche. Le frère derrière moi, c'est lui. C'était sa voiture. 02. Était là pour la sécurité. C'était plus fort. Vous savez ce que Dieu a fait? Oui, bien sûr, ma salaki. De là où j'étais, un homme a surgi. Avec une arme. Il a tiré. Abandiko. Et les colonnes se sont dispersées. C'est l'onction de la troisième. Et ça est par quoi et puis mes amis ça. Faut pas qu'on soit, le Seigneur m'a donné. Si on a repris. Un enfant de 15 ans. Moi, on a 15 ans qui est capable. Job 5, 26 dit. Mon canaille, mes amis. Tu iras dans les cieux. En ton temps, rassasié des choses. Donne mes amis la micro. Maman, toi, tu ne fais que des fausses couches. Maman, yo, kakabana. Cela est interdit. Quand tu rentres ce soir, et à ton mari, le prédicateur de ce soir, il est interdit de faire des fausses couches. La porte à ta soupe, va au couffat, Exode 23, 25. Exode. Tu serviras l'Éternel. Ton Dieu. Il bénira ton père. Il bénira tes os. J'éloignerai la maladie. Mais plus loin, chez toi, il n'y aura pas de femme qui a. Aussi, moi, Moussa Lamouké, une semaine, oh, Indiana Benganinga. Il n'y a pas de femme qui a. Ça te la parole, ce soir. Pourquoi les il t'a sélectionné. Il y a pour Dieu. Afin que tu aies cette onction. N'a-t-il été ce pourquoi l'onction de la différence. Et pourquoi mon Dieu s'est dit l'onction du bien. Et pourquoi qu'on pique pour moi qui toque. Comme Paul. Le quoi Paul. Comme Pierre. Le quoi la pétille. Tout ton être. Mon avec cette onction. Et pourquoi non. Et ouin. Et pourquoi la vie. Ton ombre. Yaya l'inigui. Sera ouin. Et qu'on l'a tapé pour pourquoi la vie. Tes habits, Bilamarayo, et qu'on pas comment? Oh, que j'ai mis. Oh, là, c'est ça. Et non, mais mort. Montez-moi un coup, fille.
Et il ne restait que les os. Et tu allais comme quoi? Dans les sépulcres. Nakunda. Comme il y avait guerre. Loko on va enterrer une autre personne. On jette le corps. Dans la tombe. Le corps touche les os. Zone de l'onction que tu vas recevoir ce soir, ce n'est pas seulement l'onction de parler à ça. Le cadavre touche. Le cadavre touche. Les os. Élisée. Il revient à la vie. Oh, mon sanguin à maman. Ceux qui étaient allés enterrer, ils étaient en train de fuir. Ils étaient en train de courir. Les deux regardent, ils voient Lazare qui était mort, en train de courir. Ils étaient en train de pourquoi? Il a touché les os, ouais. Ta sueur sera ouinte. Les étudiants, vous écrivez, on rejette. Les écrits seront ouins. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je parle de l'onction ce soir. 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 Tu sais que tu n'as pas encore la première onction. Tu peux avancer. Yoko pusana, afin d'avoir la nature divine. Tu sens que jamais. Tu as une vie de repos. Tous tes tourments. Il te manque quelqu'un. Celui qui te suffit. C'est Christ. Tu peux approcher. Même si tu es à la rue là. Jésus. Et celui. Qui était loin de la première once. Tu peux aussi commencer à dormir. Tu termines une nuit sans sursauter, sans crier. Vous criez tout le temps. Non. Avance. Christ est celui qui vous suit. Avant que tu ne revêtisses. L'onction spéciale. Et pourquoi des avance bien aimé. Poussana. Avance bien aimé. Poussana. Nous encourageons les médias avancent. Tozo pesamaka si kolendi saba eva soya bakoba. Poussana. Tu as besoin de ce Jésus. Ozana bosenga yesombo. L'onction te dit c'est toi. Et pourquoi sur le bezayo? N'aie pas peur. Approche seulement. Tu as besoin de lui. Vous savez, il y a des gens qui vont à l'église, mais qui n'ont pas encore fait une confession qu'ils ont Jésus en eux. C'est ta soirée. Approche. L'heure est pour toi. Cette onction c'est pour toi. Je dis c'est ton onction. La bise pourquoi nayo? Approche. Poussana. Gloire à Jésus, encourageons-les. Poussana. Ne rentre pas. Toi qui as la grande avenue. Yo koyo sana barabara kuna. Et au-delà de l'avenue. Pea tozo yo kabiso na mosika. Tu es au-delà de l'avenue. Approche. Poussana. C'est Jésus qui ne te faut. Et Isaïe, le Seigneur, il prend à yo. Tu vas avoir Okozoa. La nature divine. Oh, et ça, bon, zambé, bon, tu es à l'église. Aux années, parce que l'oncle t'avait amené. Peut-être non, qu'on a même à qui l'heure est arrivée, l'onction te parle.
parle. Et pourquoi ça le banayo? C'est lui dont on parle. C'est toi. Et ça yo. Approche. Poussana. Mon ami, ne pars pas. Nous n'avons que 10 minutes maintenant pour terminer. Ce que tu vas avoir, c'est pour toute la vie. Et ça pour la bonne moyenne. Approche. Poussana. Christ t'attend. Christ associé là. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, merci, cher Saint-Esprit. Toi qui convainc. Tu parles à ma soeur. Tu parles à mon frère. Que c'est son heure. Oui, tu convainc. Merci, cher Saint-Esprit. Lève nos mains, lève nos mains. Baissez un peu. Lèvez nos mains. Si vous parlez français, vous priez avec moi directement. Si vous parlez lingala, vous priez avec l'interprète. Prions. Disons, Seigneur Jésus. Ce soir, pourquoi les longs? Je t'appelle dans ma vie. Na bengi ona bomo inamba. Je dispose mon cœur. Na bonisi motema inamba. À te recevoir. Yakoyamba yo. Par le Saint-Esprit. Nanjela molimo mosanto. J'ai une nouvelle nature. Naza na bomotasika. J'ai la nature divine. Na vivo tsambe. Règne maintenant. À moi, que tout mon être, mon esprit, mon âme, mon corps soit imprégné de ta présence. Je te remercie pour ces choix que je fais de te recevoir comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Le monde est derrière moi et je voudrais marcher avec toi sous la conduite du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Acclamons, acclamons. Restez là où vous êtes. Acclamons. Acclamons. Restez maintenant dans toute l'église. Alléluia. Assemblée, je dis. Alléluia. Alléluia. Tombola maboko. Alléluia. Alléluia. Les mains élevées,
mains levées. La musique doucement. Prie avec moi en disant toute l'assemblée. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je t'appelle. Je t'appelle. Nabele Lio. Nabele Lio. Yaka Kobatisanga. Yaka Kobatisanga. Pesanga il bâtisse à mon limon. Pesanga il bâtisse à mon limon. Peya moto. Peya moto. Nalingi. Nalingi. Mon limon anga. Mon limon anga. Ecola. Ecola. Investis-moi. 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 Touche, bébé bonanga. Touché, Tia moto, tia moto. Nabomo inanga, nabomo inanga. Nalike pai na yo, nalike pai na yo. Kiti selanga imoto na yo, kiti selanga imoto na yo. Nakumisio, nakumisio. Molimonanza, molimonanza. Otushenga, otushenga. O visite ka, o visite ma. Na poko nelo, na poko nelo. Na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Le Saint Esprit, oli mo sang, va vous toucher maintenant. Ako simba mino sa saipi. C'est le temps de vision. Ezali tambo ya komonisa. La parole dit vous recevrez une puissance. Le bébé moko ya mbangu ya moko. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit descend maintenant. L'Esprit de Dieu vous touche. Je dis l'Esprit de Dieu vous touche. 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 Là où vous êtes. Là où vous êtes. Cette onction maintenant. Et pourquoi ça c'est à vous. Vous touche. Au nom de Jésus, recevez-la. Oui, l'Esprit de Dieu vous touche maintenant. L'Esprit de Dieu vous touche maintenant. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu vous touche maintenant. Alléluia, Saint-Esprit. Alléluia, mon Dieu, mon sang. Vous recevez une puissance. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit descend maintenant. Et vous touche. Oui, il vous touche. Alléluia, il est là. Alléluia, Zawana. Il est là. Zawana. Il vous touche. Il vous touche. Il vous visite. Il met en vous le feu. Il met en vous le feu. Il met en vous le feu. Maintenant, vos langues. Volèrent. Confesse la gloire de Dieu. Cette infusion descend sur vous. Cette infusion descend sur vous. Et vous êtes investi. Vous êtes investi. Vous êtes investi. Au nom puissant de Jésus. Sayako rikaba indeshi durubo yondoshi roko safamina kara baba yakare boyondoshi shikaparo kaba baba yakashi derebu. Oui, il est là. Azawana, il vous touche. Asipayo,
C'est vrai, il est là, il nous touche. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Vous ne serez plus au et vous ne marcherez plus dans la chair. Et au contemporain, nous parlons la chair. Vous recevrez une puissance. Ce soir, c'est le baptême pour toi. Sois touché. Sois visité. Au nom de Jésus. Je vais maintenant prier. Tu as un problème. Tu es malade. Toutes les menaces de l'ennemi doivent. Je dis, elles vont te quitter maintenant. La maladie n'a pas de place dans un corps loin. Maintenant, je vais dire, Père, au nom de Jésus, je déclare la guérison. Que toute maladie dégage maintenant. Démon de maladie, dégagez. Sortez maintenant. Il est écrit, je porterai les casques du salut. Que toute maladie de la terre disparaisse et lis-moi dans le cerveau, dans les nez, dans les oreilles, dans les yeux, dans le nez, dans la bouche, toute maladie dans la tête, je vous donne l'or, disparaissez maintenant, je déclare, chaque tête maintenant, guérie et en pleine santé, au nom de Jésus, mes amis, vous pouvez rentrer.
Pendant que je prie, tu sens que Christ te guérit. Tu viens devant. Tu viens devant. Tu viens devant. Je dis ceci. Cancer. Cancer. Tumeur. Tumeur. Dans le cerveau. Non. Tout est suffisant. Les maladies qui touchent les dents. On connaît pas comme je déclare la tête démons. Démon. Sortez maintenant. Au allez-vous-en. Au nom de Jésus. Jésus. Christ. Christ. Apportez toutes les maladies. Il s'est chargé. Toutes les infirmités. Je dis, soyez guéris. Au nom puissant de Jésus. Vous êtes guéri? Vous serez. Restez là. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai dit tous ceux qui étaient malades. Et la tête. Comme j'ai dit là. Le Seigneur vous guérit. Approchez. Votre langue. Je ne sais pas. Ésophage, gorge. Évitez mon mot. Toutes ces maladies disparaissent au nom de Jésus. Oh, oh, gloire, gloire. Gloire à Jésus. Je parle à chaque tête. Je dis que ta tête, le mot de tête, que toutes ces choses disparaissent de mon parterre. Là où vous êtes guéri. Venez, venez. C'est fini vos douleurs de la tête. Maintenant. Dans le nez, sinusite, et toute maladie disparaissent maintenant au nom puissant de Jésus. Je porterai la cuirasse de justice. La cuirasse est comme un gilet. Maintenant je pars à toute maladie, touchant la poitrine, le ventre. Le dos, je dis maintenant, sortez, au piment, démons, sortez, démons, au piment. Toute maladie sur cette partie du corps, vous avez le cancer de foie, le cœur, je ne sais quoi. La tuberculose, toutes ces maladies sur votre thorax, le dos, je déclare la guérison. Maintenant, soyez libre. Je dis, soyez libre. Recevez la guérison au nom de Jésus. Vous êtes guéri des gastrites. Je dis, vous êtes guéri des gastrites. Approchez maintenant. Sortez là où vous êtes. Que vous êtes guéri des gastrites. Approchez. Vous êtes guéri des gastrites. Approchez. Vous êtes guéri des hémorroïdes qui vous font couper les dents. Toutes douleurs des dents. Maintenant, je dis, touchez votre thorax. Vous êtes guéri. Et si vous êtes guéri, n'hésitez pas de venir. Approchez-vous. C'est pour la gloire du Seigneur. C'est pour la gloire du Seigneur. Vos intestins ne sont plus troués. Douleur abdominale, ça disparaît. Au nom de Jésus. Maladie des reins, sort, maladie des reins, disparaît, lis-moi, au nom de Jésus, maintenant, je proclame la guérison.
Les maladies qui touchent les gens, on connaît si pas qui touchent les bras, et si pas comme avant, les maladies des peaux, il y a un poisson, le poisson. Je dis sortez, démon, sortez, piment, esprit des maladies, on lit mon bocononon, ma sou est consort. Rhumatisme, articulation en difficulté. Vous souffrez de toutes ces maladies qui vous font souffrir. Je dis, vous êtes guéri. Maladie, sortez. Sortez. Que les infirmes se tiennent debout. Que les jambes soient fortifié au nom de Jésus. Marchez, courez maintenant, approchez l'autel, venez toucher l'autel, vous êtes guéri, vos pieds sont guéris, vos mains sont guéris, vos nerfs sont guéris, c'est fini les nerfs sciatiques, c'est fini, je déclare la guérison. C'est fini, biberon. C'est fini, là. Le diabète. Tension. De toute espèce. C'est fini. Je dis, vous êtes guéri. Là où vous êtes. Même la maladie que je n'ai pas citée. Je déclare la fin de cette maladie-là. Au nom de Jésus. Soyez libérés. Les lieux de Pentecôte. Vous libérez. Soyez libérés. Soyez libérés, au nom puissant de Jésus. Maintenant, là où vous êtes, sentez que quelque chose s'est passé. Et approchez maintenant. C'est l'heure de clôture pour remercier le Seigneur. Approchez. Venez à la chair. Gloire à Jésus. Venez, n'hésitez pas, c'est vous qui êtes guéri. N'hésitez pas. Je remercie le Saint-Esprit. Qui vous a guéri. Je remercie le Saint-Esprit qui vous a rassasié. Je remercie le Saint-Esprit qui vous a baptisé ce soir. Les micros rapidement. On dit juste des mots, rapidement on termine. Donnez à chacun. Vous tenez le micro. Vous pouvez vous asseoir, acclamons les gloires. Commencez par là. Acclamons très fort le roi des gloires. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Alléluia. Amen. Micro. Je me donne au prix. Donc au début, j'ai passé pour aller sur le médecin. J'étais malade. Et samedi, donc je perdis plus de 5 kilos pendant une semaine. 5 kilos pour son encore. Et puis, je souffrais de. Donc j'avais de maladies pulmonaires. Et lorsque je suis arrivé ici, quand je rentrais, l'homme de Dieu dit, il y a deux personnes que Dieu a envoyées sur ces terres afin d'accomplir quelques missions que Dieu l'a envoyées. Alors la maladie peut faire en sorte que cette personne soit limitée par la mort. Et cette parole m'avait vraiment touché. Je demandais à un frère s'il y a moyen que je prenne une place. Et quand pendant papa parlait que c'est lui qui se sent malade, je vais prier pour lui. Et pendant ce temps, je sentais comme si une personne me touchait au niveau de. Et
c'est comme s'il y avait une réparation qui était en train de se faire pendant ces moments. Et la façon dont je respirais avant et pendant ce temps-là, j'ai remarqué que non, je respirais bien. Respire un peu, Rodrigo, respire un peu. Ça fait combien de temps que vous êtes malade? Et ça y est, depuis le lundi passé. Depuis le lundi, est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Dieu qui guérit, acclamons très fort. Pendant le témoignage, toi aussi, l'Esprit me dit, il va te guérir. Pendant le témoignage ici, l'Esprit me dit, il va te guérir. Acclamons, c'est fini Rodrigue? Oui, c'est fini. Merci, tu peux rester là. Allons-y rapidement, une autre personne. Merci Jésus. Moi, c'est Maman Bibiche. Nassam Bamboyo. Je suis Maman Pasteur dans une église Samassi dans quartier 3. Avenue Kimbela numéro 16. Assemblée chrétienne à la sainteté. Dans sa maladie, il y a Pasteur Tony dans ses conteneurs. Il y a un peu de awa. La salle qui fracture, le niveau à l'opolo, le criminel va côté de la ndako. Le temps que tout s'échappe, la salle qui fracture. Fracture, les cas qui viennent, la manière dont il n'y a pas papa Tony. Na Pamboli Nzambe, comme on a papa, papa merci. Amen. Vraiment, le colo est dérangé, tant que moulaï. Nazo tambola bien te, je crois naye na bana nangami bale baza awa ba ko témoigner. Et on a koti na fandi, na yebi si nzambe na obima. Bana baya, boya. Na obima lolenge na yakiti. Amen. Na obima, na guérison. Amen. À part ça, j'avais un mot de dos, comme on passe, mais leur papa zoloba, tout élément, tout bondela. Moutou moko, oye na malade na katna oesika, a obima. Bon, j'ai senti en moi l'onction. Okay. Na ki chaleur et bimina la Congo. Na ki chaleur et bimina la Congo. J'ai failli même tomber, mais na resta. Ya mona yeko pa mula nzambe ya papa. Amen. Nzambe papa. Est-ce que ta mula na mukwe? Eta ma boka bien. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu du mandat. Gloire à Jésus. Merci. Maman, rappelez-nous. Maman pasteur, rappelez-nous à Kombo. Maman Bibiche Massamba. Maman Bibiche Massamba. Pana Bazawa. Est-ce que ma grand-maman l'a bien ça solo? Micro. C'est solo. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Bonjour, maman, maman Kéry. Totalement guéri. Le Dieu du mandat Jésus. Pendant ce temps, onction à Maman Bibiche. On est touché. Ils ont touché Peyo. Pika. Au nom de Jésus. Merci Maman Bibiche. Maman Bibiche Massamba, merci. Oui, micro. Bande kwa mene. Amen. Na wakumi sanzambe na o asali kati na ngai. Banda ndaku na wande koyoka mkongo pasi. Na zoka moto ezo bima. Na mkongo tili boso na estoma. Na wande kwa mitu na kutu eske na kosisa prier. Na zoko kate. Avant midi mo bima na zaika ya kulala. Tanto kwa mi 14 ya bana bala musinga babi mama 14 ya kukitu kende iglesi. Bon, na kokaye pe ko yebisa bango te nga biboto bongama. Nge toye awa. Tango na vandi na kiti na zoka ka pasi. Tango pasteur a teyi, a lobi, a bondeli. Nga na zomi tuna nga bi eske, nga pe na biki. Na telemi,
na sai ba mouvement pe na zo ka ngoli susu te vraiment na zikimia en tout cas na zikimia vraiment na pa boli nzamba manda nzambe wa kosa ka te nzambe wa nasima ma komi na epo na koko kisango vraiment na kisi nzambe papa nzamba pambula yo amen micro na ne komo susu Banzamba alléluia. Na komisi nzambe parce que na banda kiana ti bazo benga ba liboso na tema nazo boya ko kotelema. Mama Riti. Mais François qui na vandi. Mama Riti vandi boteni. Nazo na ni na malolo a. OK d'accord. Soli na vandi as nini kasike du sanga makasi. Mais tamba zo benga ba toi. Nazo senti bazo sanga ke meyo bi ki telema zo Shalom, peuple de Dieu. Shalom. C'est depuis la semaine passée, mais j'avais non. Ma. C'est vrai, je suis. Oui, mais il faut te présenter pour certaines personnes.
témoignage na yo, voyez-vous que non, frère Ted, ça fait du bien. Frère Josué, annonce. C'est depuis la semaine passée, j'avais mal à la tête. Donc j'avais essayé de parler à Frère Marc ou bien à Frère Anacle. Il n'y avait pas moyen de le dire. Maintenant, lorsque j'avais essayé de payer un peu les médicaments pour son pour moi qui si je me suis dit non, comment ça? Si oui. c'est une maladie, ce que ça pour bon, voyons voir d'abord comment ça marche. Si ça va, c'est gradué. Ce qui est pour comment ça se passe là, on va maintenant chercher les médicaments. Voilà. Maintenant, c'était à partir de 12h. J'ai senti la douleur au niveau du joue. En sentant les douleurs au niveau des joues, joue. Il n'y avait pas même moyen de rire. Moi aussi, ils ont quitté. Tu essaies de rire comme ça, c'est la douleur. Ils ont passé les hommes. Maintenant, la douleur là, c'était pas sur la tête. Maintenant, hier soir, j'étais vraiment tristé. On a essayé de me demander, mais il y a quoi? Ils m'ont demandé, on t'a énervé, j'ai dit non. On n'a pas pêché au camp de l'habité. On t'a pas donné des choses à manger. On n'a pas pêché au camp de l'habité. Alors, oui. C'est aujourd'hui le matin, alors, j'étais en train de préparer, pour venir à l'église. On a envoyé à l'église, c'est ça. Maintenant, on est arrivé, c'était à 12h. Donc, combien à 12h? J'ai senti encore la douleur sur la tête. Mais oui, qu'il passe ici, non? Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Bientôt là, on va partir à l'église. C'est comme si on est en train de m'empêcher de ne pas partir à l'église. J'ai dit non, si c'est comme ça, j'irai mourir même à l'église. Alors, lorsqu'on s'est préparé, on s'est prêté pour venir à l'église. Il y a une église. On était moi, Élie et Frère Marc. Élie et Frère Marc. On est venir comme ça. Lorsqu'on était sur le point d'attendre les transports. Quand on a lancé la transport. J'ai senti encore la souffrance. Il n'y avait pas mes moyens de leur parler. Alors je me suis dit, bon, ça ne dérange pas. Qu'on voit seulement à l'église. Je peux dire comme ça et aussi peut m'empêcher de ne pas partir à l'église. Alors quand on est en train de prêcher, il a dit que non, tout celui qui est malade. Et tout celui qui est guéri, on il peut passer devant. Lorsque j'étais en train de prier, j'ai touché ma tête. Lorsque j'ai touché ma tête, j'ai déclaré. En déclarant, j'ai senti la douleur, il n'y avait plus encore la douleur. Alors, même au niveau du jour, il y avait une douleur. Il n'y avait plus encore la douleur. Pas ces acquis sous et là, Jésus-Christ m'a beaucoup. Est-ce que tu peux rire un peu? Rire un peu. La Bible dit, Job 5, rire un peu au micro. Rire un peu. Gloire à Jésus, on peut acclamer. Acclamons le Seigneur. Père, merci pour ce don glorieux qui guérit les malades, qui nous baptise, et pour cette onction spéciale, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Au revoir. Merci beaucoup.